J'ai fait un tour au service d'infectiologie, c'était ici, avant de rejoindre les soins intensifs. Parce que j'y étais entré, toute lumière était allumée. Quand je suis sorti, il n'y avait que deux lumières qui étaient allumées. Moi, il y a un autre patient. Il n'y avait pas grand monde quoi, qui se bousculait. Par contre, quand on regardait BFM TV, on nous disait que les infirmières étaient dépassées, qu'ils n'arrivaient pas à tenir le choc. C'est vrai que je voyais trois infirmières de ma chambre d'hôpital, deux qui se mettaient les mains dans les poches, qui rigolaient, la troisième qui essayait d'occuper ses copines. Comme quoi, BFM ne dit pas toujours la vérité. Nous nous trouvons devant le bâtiment et hall de la Pitié-Salpêtrière. Service des soins intensifs, mais j'ai passé quelques temps là-bas parce que j'avais mon Covid et que mes poumons commençaient à me lâcher. Un médecin m'avait dit, pour me rassurer, et était tout heureux, que j'étais éligible à la réanimation. La réanimation, c'est plutôt vers là, plus en bas. Bon, heureusement, j'y suis pas allé.